période un peu particulière que nous vivons actuellement. Vous êtes confinés, on est tous confinés, c'est-à-dire qu'on est tous coincés chez nous. Tout le monde vous dit un peu la même chose, c'est-à-dire faut arrêter les écrans, essayer de faire autre chose. L'idée, les meilleurs livres peut-être à lire quand on n'est pas habitué à lire, sont des nouvelles. Les nouvelles, c'est des petits textes très courts. Un écrivain de nouvelles qui est argentin, qui s'appelle José Luis Borges, a écrit un petit livre de nouvelles qui s'appelle Le Livre de Sable. Dans ce livre de sable, il y a une très jolie petite nouvelle qui s'appelle Le miroir et le masque. Je propose de vous raconter cette histoire. L'histoire se passe en Irlande à la fin du XIe siècle. Un roi irlandais vient de battre les Vikings qui tentaient d'envahir l'île. Et il fait venir un poète, le plus grand poète d'Irlande, pour lui demander de composer un poème qui chanterait cette victoire, qui chanterait sa gloire. Et il lui dit, voilà poète, je voudrais que longtemps après notre mort, le peuple d'Irlande se souvienne de cette victoire. Donc il dit, je te charge de composer un poème qui raconte notre bataille, qui raconte notre victoire. Je te donne un an. Tu reviens dans un an, au printemps prochain, quand le rossignol aura chanté en Angleterre, dit Borges, et tu réciteras ton poème devant la cour. Le poète accepte, il s'en va, travaille, et revient donc au printemps suivant, quand le rossignol a chanté en Angleterre, dit Borges, il se présente devant la cour et il récite son poème au roi. C'est un poème très, très technique, qui montre une maîtrise de la langue quasi parfaite. Tout le monde est très impressionné par ce poème. Les gens se disent, on n'est pas capable d'écrire ça. Mais il n'y a pas d'émotion. Et d'ailleurs, c'est ce qu'explique le roi au poète. Il y a quelque chose de très fort dans ton poème, mais il manque peut-être l'essentiel, l'émotion, lui dit le roi. Et personne n'a mis la main sur son épée, personne n'a poussé un cri pour partir à la guerre. Les gens n'ont rien ressenti. Mais pour te récompenser de ton travail, je t'offre ce miroir d'or. Et je te donne un an à nouveau. Tu repars et tu travailles et tu reviens avec un autre poème au printemps suivant, quand le rossignol aura chanté en Angleterre, pour cette fois nous réciter un poème qui sera beaucoup plus fort avec de l'émotion. Le poète accepte, il repart, il revient au printemps suivant, quand le rossignol aura chanté en Angleterre, et il récite un poème, cette fois qui est un poème plus compliqué, bizarre, plus court d'ailleurs, qui n'a pas la clarté, pas la maîtrise du premier, mais on ressent une émotion très forte, qui rappelle beaucoup plus la guerre. Ce sentiment bizarre qu'on a au soir d'une bataille, d'avoir vécu comme ça en intimité avec la mort. Et là, le roi lui dit, là, tu vois, tu as trouvé quelque chose. Là, les hommes ont frémi, ils ont frissonné, tu leur as donné envie de repartir au combat. Mais, lui dit le roi, on a perdu la clarté du premier poème. Et donc, il lui dit, voilà, pour te récompenser, je t'offre ce masque d'or. Mais repars, retourne travailler et reviens dans un an, au printemps suivant, quand le rossignol aura chanté en Angleterre, avec cette fois un poème qui allie les deux, la beauté de ta poésie et la force de l'émotion du second poème. Le poète accepte, repart, et revient donc un an après, au printemps suivant, quand le rossignol a chanté en Angleterre et se présente devant la cour du roi. Quand il entre dans le palais, il est quasi méconnaissable. Il a vieilli, il a terriblement maigri, il a vécu enfermé, à travailler, confiné, on connaît. Il est couvert de poussière, les gens s'écartent sur son passage. Il s'avance comme ça à travers la cour, juste devant le roi. Et il s'approche du roi et lui dit « J'ai ce que tu m'as demandé. J'ai composé le poème que tu m'as demandé. » Et on touche à quelque chose de sacré, quelque chose qui me dépasse. Je comprends pas tous les mots que je vais te prononcer. Je peux pas le prononcer devant tout le monde, lui dit-il. Il faut que tu fasses sortir toute ta cour. On reste tous les deux dans ton palais et je te récite mon poème. Je ne le récite qu'à toi. Le roi est surpris, il accepte. Il fait sortir toute la cour. Le poète reste tout seul avec le roi. Le roi lui dit « Approche-toi ». Le poète s'approche et dit au roi « Je peux même pas te le dire à haute voix. Mon poème tient en quelques vers à peine. Si tu es d'accord, je vais te le prononcer à l'oreille. » Et il récite ces quelques vers à son oreille. Le roi est ébloui, époustouflé. Il lui dit « Là, poète, tu as trouvé, poète. C'est exactement ce que j'attendais, c'est exactement les mots qu'il fallait pour dire toute la beauté, toute la folie de la vie, tout ce que les hommes ressentent à la guerre et quand ils reviennent de la guerre. Pour te récompenser, je t'offre cette dague, mon couteau, une épée courte. » Et Borges raconte qu'à la sortie du palais, le poète s'est donné la mort, s'est poignardé, s'est suicidé. Pourquoi ? Peut-être parce qu'il avait trouvé la beauté absolue. Et Borges dit que le roi a posé sa couronne et qu'il est parti errer sur les routes d'Irlande. Il a quitté son palais, il a quitté son trône. Il est mort, on ne sait pas où, on ne sait pas quand, comme dans beaucoup d'histoires. L'enjeu, c'est d'en comprendre le sens, d'en comprendre la morale. Qu'est-ce qu'elle raconte sur l'humanité ? Qu'est-ce qu'elle raconte sur l'histoire des hommes ? C'est aussi, et là l'enjeu est double, se demander et trouver quel vers le poète a pu composer pour dire toute la beauté et la folie des hommes et de la vie. Merci, portez-vous bien, au revoir.